Bonjour à tous les amis de la Rivière Blanche, c'est Willy. Alors voilà, avec Airstore, comme vous le savez, on a terminé cette partie sur un bug lors de l'épisode 12. Et on peut pas dire qu'on était vraiment satisfait. Alors avec Airstore et Santa, on s'est lancé un petit défi. On s'est dit que finalement, grâce aux vidéos précédentes, on connaissait ce qu'on avait dans nos coffres, on connaissait les lieux où on avait établi nos bases. Et donc on s'est dit que ce serait amusant pour nous, et ce serait peut-être plus amusant pour vous, d'essayer de recréer notre base, telle qu'elle était, afin de poursuivre nos aventures. Donc voilà, je pense qu'on a réussi à restituer ce qu'était notre base avant le bug. Il y a peut-être quelques petits détails qui ont changé, mais vraiment rien d'essentiel. Et on espère que vous allez prendre à nouveau du plaisir à suivre nos aventures, là où on n'aurait jamais dû les arrêter. Voilà, les amis, on continue. C'était Willy, Rivière Blanche, over. Le dormeur doit se réveiller. Quand je me suis réveillé, j'étais complètement défoncé. J'avais cru que la terre s'était ouverte sous mes pieds. Airstore avait encore exagéré. Il avait mis des champis mexicains dans ses chili dogs. Je suis sorti à l'extérieur pour prendre l'air. J'aurais peut-être pas dû. Ouh, y'a une meute qui arrive, y'a une meute qui arrive. J'arrive. Elle vient par où? Ouf. Ah ouais. Je vais aller me chercher une trousse médicale dans la base. Vas-y. Trébuche pas. Non, non, j'étais en train de me faire la même réflexion. Surtout ne pas trébucher dans mon merveilleux piège. Comme quoi, moi, alarme automatique à partir des lois. Bah oui, mais c'est normal. Oui, non, c'est normal, mais... Ah, je sais ce que j'ai fait. J'ai un arc que j'ai pas de flèche. Ouais, ça, on en a. On a plein de plumes, plein de pierres, on a tout ce qu'il faut. Ah ouais, des plumes, t'inquiète, j'en ai ramassé aussi. Hein. Ah. On nettoie un peu dans les alentours de la base. Il nous fallait du nitrate et du charbon. Ah bah super, j'ai du charbon et du nitrate l'un à côté de l'autre en fait. On en a trouvé. Magnifique, c'est tout ce que je demandais. Bah si tu veux, va retrouver Willy et moi je vais te refaire tout ça. J'arriverai à ça, ce sera en flèche là pour le moment. Alors, tu vois où je suis? Avec Santa, on a décidé de créer une énorme carrière. C'est peut-être celui à qui je viens de péter la jambe. Ouais, c'était celui-là. Ne tombe pas dans le trou, je suis juste là où il y a un trou. Il y en a un qui te suit. Voilà. Alors tu vois, ici il y a du nitrate. Et ici il y a du charbon. Et tu vois, si tu sais juste me délimiter une petite zone avec des blocs, tu t'essayes de me faire un beau carré. Même te relancer de la pierre à pavé. Parce qu'à mon avis, il va t'en falloir. Faut que je ramène. J'en ai, hein. Ouais, tu peux ramener. À mon avis, il va en falloir beaucoup. Et encore, beaucoup, c'est un euphémisme. Tiens, je vais te donner ça. Ça, c'est pour toi. Je suis en train d'en refaire petit à petit. On va faire une énorme carrière. On va ramasser tout ce qu'il y a ici. Ça va, mais pas loin. Non, non, c'est juste à côté de la base. C'est pour ça que c'était intéressant. Il y a du plomb, du charbon, du nitrate. Alors, c'est Willy. Ouais. On se trouve toute ta tête. Ouais, merci. Ouais, ouais. Voilà.
On avait décidé de consacrer cette journée à récupérer des matériaux. On formait une bonne équipe, on avançait vite et on avançait surtout très bien. On n'allait pas tarder à voir notre carrière. J'ai pas de kit de réparation. Je vais te donner la moitié des miens. Voilà. Je vais te donner du fer. Normalement, ça va permettre de grader tes portes encore. La construction de la carrière avançait bien. On serait tranquille. J'en ai encore, c'est en vous. Tiens. Ah, mais je vais te donner, hein, j'en ai. Je suis en train d'en faire. Alors, tiens, pour l'instant. Et je suis en train d'en refaire 3500, donc je te donnerai ça. Amuse-toi. Oui, tu es où? En bas. Bonjour. Tiens. Ouais, merci. Et alors, attends, je vais te donner tant que t'es là. Je suis en train de jouer dans la base anti-ordre. Je me débarrasse de tout ce qui ne me sert pas. Ah, au revoir. C'est bon. Moi, sans aucun problème. Oh, t'as pas encore d'appui. Bah, j'en use beaucoup pour faire de la pierre à pavé en fait. Ah ok, ça va sans problème. Je vais d'ailleurs te débarrasser des arbres qu'il y a ici à l'intérieur. On fera du bois. La nuit allait tomber, mais on sera en sécurité. Enfin, logiquement. Ah. Ça vient nous dire bonjour. Oh, ça grogne. C'est passé, c'est sur moi. Ah, mes coéquipiers les portent. C'était une longue histoire. Ou alors il est rentré par la porte, mais... Ah, il est là. Ça va, je l'ai retrouvé. Oui, il doit avoir un petit trou quelque part, parce que... Ah ouais, ça court partout, tu sais.
La nuit fut tranquille. Il y a bien eu quelques gêneurs, mais on s'en est occupé. Ouais, j'ai entendu taper. Il y en a qui est là. Ouais, ils viennent tout le temps de l'autre côté. On s'est aussi occupé de renforcer la base. Fallait pas que les zombies passent. Surtout pas pendant que je minais. Là, vous trouvez votre bonheur, vous ? Oui, là. Avance gaiement. Voilà. Ça a bien avancé en une nuit, parce que ce qui a déjà été fait. Ce qui sera bien, c'est avant de partir ici en mission, c'est de relancer dans les établis le maximum de pierres à pavés. Ouais, ça pourrait. En effet, on avait vu grand, et allait nous falloir des tonnes de matière pour gérer tout ça. Attends, je vais remettre en niveau construction tout ce qui peut rester ici. Je vais mettre ça. Je vais ramener le reste. Même rien qui passe. Je risque rien, c'est normal. Est-ce que t'as fini avec ton panneau, toi ? Et oui ? C'est près de la porte, là ? Mm-hmm. Ok, donc je lance le défense pour aller. Ah ouais. Les blades vont. Elle est fermée, là. La porte, elle est fermée. Enfin, la trappe. Ouais. Je m'approche. Ouais, elle s'ouvre. Elle est ouverte. Ouais, ça c'est extra. Les 4 blades vont. Hein. Ouais, ouais, elles vont toutes. Même celle qui est en dessous de la trappe. Ouais, ouais, celle-là, je la vois. Ouais, avoir automatisé ça, c'est terrible. Voilà. Alors. De retour à la base, je me suis occupé de relancer les productions. Je t'avoue que je viens de mettre ma pierre dans... Ah, dans les portes. Ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être dû miner un peu plus de pierre quand même. Ouais, ouais. Non, c'est pas, je vais prendre. Ah, je suis en train de relancer. Je me suis aussi chargé de ravitailler la carrière avec de la nourriture et tout ce qui pouvait nous servir là-bas. Ça éviterait les déplacements inutiles. Ok. Voilà. Je dépose du café, de la bouffe. Comme ça. Et je vais même mettre... mon pistolet à coups. Voilà, comme ça, c'est impeccable. On n'avait plus qu'à attendre l'ouverture des traders. Et pour patienter, je me suis chargé de couper du bois. Le bois, on en avait toujours besoin. Ah ben, tu peux laisser une partie ici. Ça, quand on construit, on a du matos ici, c'est pas plus mal. Voilà, en réserve, on a au moins 700 de d'acier et 700 de bois. Santa s'est aussi chargé de nous créer un petit lieu de vie à la carrière. On pourrait y entreposer des caisses, un établi. Puis on a commencé à faire notre tournée trader. On est passé chez Joël. Euh, 470 mètres. J'ai toujours les trésors aussi, moi. Ils sont pas très loin. Allez, on va chercher les trésors. On avait mis la main sur quelques cartes au trésor. Fallait rentabiliser. On est allé les chercher. Bon,
ça. Ah il faut le déverrouiller. Oui, t'en as pas de dialogue. Je n'en ai pas. Mais c'est pas grave, je vais le péter. De toute façon, comme disait toujours Mamie Tromblon, y'a que pour casser des trucs que t'es doué. Bon, je suis sur zone. De toute façon, je ne te sers à rien. Non. Bah, à la limite, je préfère que tu regardes si quelque chose. Comme l'avait si bien dit Erstor, il me servait à rien. En plus, quand il tuait un dain, il était même pas foutu de le retrouver. Sale tip-ti. Il y en a qui viennent de frapper. Non, non. Il y en a qui m'arrivaient dessus. Bon, je récupère. Ouais, là, Sarah, je m'en occupe pas. On a fait d'une pierre deux coups. On avait justement une mission pour les traders dans le coin. Alors on y est allé avec Erstor. Ah, ouais. Santa, lui, il était parti chasser, comme à son habitude. Ouais. Attends, ça va venir. C'est plus le à droite, je pense. Bon, c'est certainement ici. Ouais, elle est là. Elle est là. Quand même mine. Toi. Oui. Attends. Hop. Voilà. Je te laisse fouiller les pièces que tu fais quand même. Hein. Ouais. Yeah. Chez moi, c'est nickel. Aïe. Elle sentait bon le pognon, cette maison. On allait se goinfrer avec Erstor. Alors là, les gars, ils ont refait le prix, hein. Je vois plus juste maintenant. Attends. Ouais, ouais. Voilà. Merci. Il y avait pas mal de zombies dans les étages inférieurs, alors on a fait parler les flingues. Fais voir dehors. Ok. Il serait peut-être bien rentré, ah non, il est là. Je suis là, hein. Si tu me dis où tu es, je peux t'aider. Mais... Ça gueule. Ça gueule de tous les côtés. Mais... Ah voilà. 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 Fallait qu'on reste vigilant. Il y avait des zombies dans tous les coins dans cette maison. Et je pense même qu'on avait attiré une horde du dehors. Entre les âmes, ça sera autre chose à faire. Perdez 3 pour l'instant. Il y a d'en bas. Ok.
on laisse passer, on le fait à la... Ah, je vais virer. Je ne m'étais pas trompé. Il y avait bien une horde du dehors qui nous était tombée dessus. Il fallait pas qu'il passe. Il y a une horde dehors, hein, en fait. J'avais failli me faire avoir, et c'est entièrement ma faute. J'aurais pas dû quitter Airstore. Faut jamais se séparer. Ouais. Ah ? Ouais. Ah ouais. Ouais, j'étais là près de toi. Ils m'ont pas touché, hein, mais... Airstore venait de trouver une autre carte au trésor. Je l'avais dit qu'elle sentait le pognon, cette baraque. La zone de loot. Ah oui. Ah, t'as vu? je peux essayer, attends. Les coffres qu'on a trouvés dans la cave étaient bourrés de matériel. On est sorti de cette baraque et on a rempli nos bécanes. Il y avait un drop pas loin, alors on s'y est rendu. Et puis, on avait encore ce fameux trésor à trouver. Il est en l'air. Ah, d'accord. Ouais, ça pour les drops. Fallait vraiment que j'accompagne Airstore. Vous mettez des lampes, des fumigènes, et lui, il voit rien. T'es en train de tomber. Oui. Ah, tu le vois ? Bon, pendant qu'il tombe, je prends un peu de bois. Une veste militaire, oh, des balles, de la bouffe. Non, ça, vous pouvez dire au duc que les drops, on est toujours content. Enfin, si vous pouviez m'envoyer un petit SMG, pas tout petit. Il nous a pas fallu longtemps pour trouver ce coffre. Ah, le déverrouiller, ça, j'ai fait comme Mamie Trombon disait, moi j'ai cassé. Et c'est tout. Voilà. Je vais prendre tous les trucs à bord que j'ai dans ma moto. Ouais, moi aussi. Avec Airstore, on a décidé de faire une tournée des traders. Et d'en profiter pour récupérer nos récompenses. Et de leur revendre quelques babioles. Et avec un Magnum, je dois dire que Joël a été beaucoup plus compréhensif. Mamie Tromblon, elle faisait toujours ses courses comme ça, avec un flag. Et c'est vrai que pointer un flag sur les gens, ça les rend beaucoup plus gentils. Après, on a rendu visite à Hugues. Il nous devait un peu de pognon lui aussi. Willy, tu m'aimes ? Oui. T'es où ? Y'a pas de moi. Attends, je suis en train de projeter à nouveau son... Ah ouais. Non, après, alors t'as J'espère qu'il a des bons trucs. La masse en acier, est-ce que ça t'intéresse de savoir la faire? Oh, toi aussi tu vas être content. Alors, tiens. Ah, enfin, les balles perforantes pour le shotgun. Fini de jouer avec les cartouches à lapin. Une fois que t'as eu ton livre, j'ai pas fait attention sur le shotgun de serre parce que t'as pas encore ce ton beau cadeau. Ouais, fais-moi mon beau cadeau. Ah, c'est quoi d'abord
Ben, le livre, c'est les balles à paix pour le shotgun. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça va ? Tiens, j'ai un cadeau pour toi. C'était vraiment une bonne journée. Le plan du shotgun, maintenant. Oh. Avec ça, j'allais pouvoir faire des shotguns de qualité. Ouais, moi aussi, avant qu'on parle, je venais de te lancer 150 balles à plus en 700. J'ai relancé une soixantaine de grenades, si on en a 120, et tout le monde pourra en prendre. Ouais. Moi j'en prendrai. Ensuite, ouais. On est parti vers chez Bob. We have great prices. Alors, qu'est-ce que t'as pour nous ? Il ne nous restait plus qu'un trader à voir. Enfin, une tradeuse. Appelez-la comme vous voulez. Je pense que je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Ouais. Je savais bien qu'elle était dans un des coins de la ville. On avait mis du temps à retrouver Jen. On savait plus trop bien où elle était. Et puis avec le sens d'orientation d'Erso. Enfin, vous savez. Voilà. Ouh. Composition d'élixir de papy. Y'a pas à dire, pour ce qui était des achats, on était des vrais gonzesses. Voilà. Pour toi aussi. On vient de t'acheter. Une fois qu'on a terminé nos petites emplettes, on s'est dépêché de rentrer à la base avant que la nuit tombe. Fallait qu'on relance les productions et qu'on descende tout ce qu'on avait trouvé. Y avait du boulot. En plus, j'étais comme un gosse. Fallait absolument que je lance la production de shotgun. Un pour chacun, ça devrait être suffisant. Bien que Mamie Tromblon, elle, était capable de tirer avec deux à la fois. Merveilleux. Avec les cartouches que j'avais appris à faire, même les ours allaient pleurer. Une fois la nuit tombée, je suis retourné jusqu'à la carrière. On avait fabriqué un établi et fallait que j'aille l'installer. C'est toi qui as pris du café avec toi ? Ouais. Ah ok. Et j'en ai mis à la mine. Non mais je t'explique, j'en ai mis à la mine. Puisque moi j'utilise et que je farme beaucoup mieux avec ça, donc. Afin de pouvoir installer l'établi, j'ai dû casser quelques planches que Santa avait posées. Ah, j'avoue. Il fait combien toi de dégâts? Tu disais ton fusil à pompe? 155. Comment tu fais pour avoir 155? Tu fais 19. Ben j'ai la compétence au niveau 4. Tout dit, ouais, c'est énorme quand même malgré tout. Attends, je regarde encore. Mais... Dégâts plomb 155. Maintenant, il est chargé aussi avec des balles à paix. Hein. Charge-le un peu avec des balles à paix, Kiaton. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, c'est pour ça que je fais. C'est pour ça que je fais des balles à paix, hein, moi, monsieur. Oui, tout à fait, mais. Sinon, ça n'a aucun intérêt, hein. Ah voilà, c'est bien pour. Avec des balles à paix. Ah bah oui, tu vois. 170. Ah ben là encore meilleur que le mien. Bon choc. Bah, tu n'as même pas la compétence, toi. Si. Ou. Non, du tout. Ouais, t'es. J'ai mis une culasse de fusil à pompe celle pour augmenter le nombre de balles. J'ai mis un rattrape-feu et le modification de poignée. Mamie Tromblon aurait été vraiment fière de moi. Cette arme pouvait même arrêter un mammouth.
Ah bon, c'est pas bien grave, non? Non, non, pas du tout. De toute façon, il faudra peut-être regarder celui que je viens de faire pour Santa, qui est peut-être encore plus intéressant. Mais moi, j'y croyais pas à celle-là. Il n'y avait pas moyen de faire plus intéressant que ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il te faut en priorité comme minerai? De la pierre? Franchement, ouais, de la pierre, on en a plus. Bah, un moment de en réserve. Vraiment, c'est dans le jeu. Je ne sais pas ce que tu comptais faire le soir, mais ce serait peut-être bien que tu viennes m'aider justement avec le Hogger. Ah, mais moi, je comptais sur le Hogger pour faire un truc dans la base en pierre. J'avais vu que ça n'avait pas changé. Le Hogger, de toute façon, il était ici. Hein. Ouais, c'est ça. Ça arrive. Je suis retourné à ce que je faisais de mieux, creuser. Je continuais aussi à renforcer les murs de la carrière. Faudrait pas que Z passe, ça pourrait être mauvais pour mon karma. On avait vraiment choisi un bon endroit. Il y avait tout ici. De la pierre, du fer, du charbon, du nitrate et même du plomb. La nature nous avait gâtés. Au petit matin, je suis remonté de mon trou. J'ai relancé la production de pierre à pavé, et puis je suis retourné à la base. Ok. Qu'est-ce qu'on avait là? La pierre. Comme d'habitude, avant de repartir en mission, on a relancé les productions. Il fallait que ça continue de tourner. Oh là là, ouais. Je crois qu'on va passer l'autre base en béton. Avant de commencer cette journée et de quitter la base, je me suis livré à une petite inspection des coffres et un petit inventaire. On était plutôt bien. Ouais. On est bien à niveau matos. Rivière Blanche, on est de retour. Over.